pieds sur le même plan, on revient sur la tête. Maintenant, je suis Tori. Tori, donc je pivote, pieds sur le même plan, je reviens sur la ligne. Je pivote, pieds sur le même plan, je reviens sur la ligne, et là, c'est fini. D'accord ? Alors, regardez, OK, il est devant le partenaire. Comme le partenaire est derrière, la main est en bas de ce côté. Je pivote, je change de main. Et la main est toujours en bas du côté où on va pivoter. Toujours du même côté, la main en bas. Bah, c'est de faire ça. Voilà. Pour monter les deux. La main est en bas de ce côté. Je suis Tori. L'attaque est aux yeux. La main est en bas de ce côté. On pivote. On vient. La main est en bas toujours du même côté. On pivote. On change la main en bas de ce côté. Aussi, pousser l'épaule. Thank you.
fais pas. Normalement, pour monter, il faut que. Ça va ? Normalement, on dit ceinture, poitrine et les yeux. Moi, je dis genoux, ceinture, les yeux. Comme ça. Et le menton. Poussez le menton. D'avant. Ensuite, j'attaque, il ramène son pied contre l'autre et il ouvre. Et là, à la droite. Il veut faire la même chose que tout à l'heure, seulement moi, je vais baisser les bras. Et là, il va. Normalement, ma tête descend au niveau de sa ceinture. Comme ça, je vais essayer à prendre en main. Seulement. Ah, lui, il a mal au dos aussi. Un jeune. Tiro. Donc, les mains, il baisse les mains. Donc, voilà. Et là, maintenant, mes mains vont en direction de ces talons. Là, on va s'asseoir, parce que l'équilibre, j'ai fait ça. Et là, je vais descendre les mains en direction de ces talons, comme ça, en fermant. Voilà. Donc, les mains sont en haut. Voilà, reste en équilibre. Voilà. Je baisse les mains, je recule un peu, et là, je descends. Et, voilà, au niveau de la ceinture, il abandonne. Ça va ?
là, pareil, hein, vous soufflez. Hein. Attaque au menton. Go, attaque au pur. Bien, on fait celui-là. La main descend. La main descend. Maintenant, on ne monte pas la main pour prendre, mais on prend au niveau de la ceinture. Premier pas, je ne bouge pas. Deuxième pas, je skip. Et là, il essaye de m'arrêter. Ma main se passe derrière le cou. Et là, il va se poser. Sa main monte à l'oreille. Et là, maintenant, il se pose. Et d'avant, les pieds restent au sol. Et là, pas que c'est moi. Et là, en tirant vers le bas, avec son cou, les abdos équilibrés sont là. Moi, je ne veux pas tourner le corps. Je veux rester bien droit et bien en face. Je me mets un peu ici sur les talons. Je ne peux pas lever les orteils. Les orteils restent. Là maintenant, je plie le bras et le pouce à l'intérieur de la main. Il passe bien. Très loin de la main. Il passe très loin de la main. De façon à garder la tension. Comme ça, derrière. Et au milieu. Il y a deux façons, soit on change, comme il a l'air de faire, ou alors on garde la main, mais là, voilà, et là, il y a une action sur la main. Pousse à l'intérieur de la main. Là, on passe loin vers là. Alors, soit.
là, pour éviter l'extension, je vais faire taille sabbatique. Et là, je ne vais pas dire rien. Là, je contrôle et l'épaule descend. Il n'y a pas de contrôle avec la main. La main est comme ça. Ah, une fatale de temps diagonale. À la ceinture et là j'attaque le fait taille ça va encore après et là il nous tient et là maintenant il fait monter la main monte à la tête et là on pivote il continue à me faire tourner mais là je le fais au renaguer je la mets contre moi la main sur la ceinture les doigts vers le haut on va prendre l'équilibre et là maintenant on soulève. Les mains sont ouvertes. Je soulève. J'abandonne. Je repose les pieds sont serrés, les mains. Voilà, tu reviens à côté. Et quand tu reviens à côté, on ouvre et les mains descendent. Sans bouger les pieds. Et le pied gauche. D'accord. Un, j'avance le pied et je mets la main vers la cinquième. Pas à l'emmener. Donc je laisse pivoter et je mets. N'importe quoi. Donc, je vais faire le pied. Mon pied va venir près de mon pied. Ensuite, la main.
main, le pouce fermé. Je viens prendre le pouce. Et là, je le fais. Il passe la main et il me tire vers moi. Il sort la hanche comme on porte. Ah, c'est encore un affirme. Comment veux-tu parler? Souris comme ça. Allez, on commence. Ensuite, il va à 4 mètres. Attends. Voilà, c'est ça. Et moi, je me tourne. On va prendre deux tatamis. Comme ça, ça fait des tatamis. Ensuite, la main monte. Et là, on est sur la pointe des pieds, la tête tombe vers l'avant. Et... sur le front pour briser la ligne. Et moi, je détaille sa baguette. La main tombe vers le bas. Je ramène la main à la hanche. Et là, je pousse avec les deux mains vers l'avant. La ligne se redresse. La main appuie sur l'épaule. L'autre main appuie sur le coude. Voilà, il remonte. La main descend le coude. Le col contre moi. Ensuite, la main remonte à nouveau l'épaule. La main au poignet. Et on fait droit gauche. Thank you.